Coucou tout le monde, je suis Danfield et aujourd'hui on découvre la démo de Below the Stone, un jeu dans lequel on va creuser de plus en plus profond pour trouver des minerais de plus en plus rares et de plus en plus précieux. Il y a un village qui fait office de hub à partir duquel on peut accepter des quêtes, améliorer nos outils, il faut également trouver des artisans dans le monde pour les ramener à la base et débloquer de nouvelles fonctionnalités. C'est un jeu très cool et j'aime beaucoup ce genre de gameplay et on va découvrir le tout ensemble. Comme toujours, la démo est disponible sur Steam, le lien est dans la description si vous êtes intéressé. Allez, en avant. Et nous voici au village. Alors, j'ai passé l'intro dans laquelle j'ai sauvé le forgeron qui est ici. Il nous permet de faire fondre les minerais que l'on a obtenus pour en faire des lingots et fabriquer du meilleur matos, meilleure armure, meilleure arme, meilleurs outils, toutes ces bonnes petites choses. Je n'ai pour le moment rien sur moi, donc je ne veux pas aller bien loin. Alors, on va faire un tour dans le donjon, mais avant, on accepte 3 missions. Alors, 3 faciles. Alors, tuer 8 slimes. Ok, ça me rapportait 24. Ensuite, trouver 5 fossiles. On va voir si c'est possible. Non, ça c'est plus difficile. Je vais également tuer des chauves-souris. On va faire les deux là en même temps vu qu'elles devraient se compléter. J'ai jamais pris deux fois la même quête, mais là ça devrait se compléter. Donc je devrais juste en avoir à tuer 7 ou alors 12, hein, c'est pas grave. Si j'arrive à faire les 3, j'ai toutes ces récompenses. Donc on accepte la mission. On va fouiller le donjon, essayer de trouver du minerai et revenir pour améliorer notre matos. Parce que là j'ai vraiment les choses pas terribles, voilà. J'aimerais surtout trouver du cul. Mais si on n'a pas de l'étain, va suffire. Bon, alors, on est sur place avec un autre mineur. Bon, je vais passer le dialogue. Hein, voilà. Il n'est pas à sauver, lui. Là, il bosse tout seul. Il y a des monstres au passage, hein, donc va falloir faire gaffe à ça. D'ailleurs, je vais également ramasser les champis. Je n'ai pas fabriqué de torches avant de venir. C'est pas grave, on y va à l'arrache. Ah, et je vais ramasser ça parce que les champignons ont l'air vénéneux, mais ils nous soignent. Donc, ouais. Hein. Et on peut pas en manger trop. Et la viande, au passage, n'est pas à cuire. Elle est rôtie par défaut. Là, on a du charbon. Alors, je vais avoir besoin de ce charbon. Hop. On ne peut quitter cet endroit que quand on a fait une mission au minimum. Hein. Donc, je peux pas partir à tout moment. Je vais essayer d'en faire plusieurs, si je ne peux pas, parce que mon matos c'est vraiment naze, là je vais juste en faire une et repartir. Tuer les slimes ne devrait pas être trop compliqué. Alors là ce que je cherche, vous voyez, c'est mon instinct de nain qui me dit que là-bas il y a quelque chose de bon. Ah bah tiens, même sur le chemin il y en a là. Ok, donc alors le charbon est bien entendu nécessaire pour faire fondre le minerai et fabriquer certaines choses. Alors là il y a plein de petits points qui brillent, alors je crois qu'il y avait quelque chose vers là, voilà, ok vers là. Bon, là il y a plein de choses ici, alors, il peut y avoir des caves pour le moment, c'est juste... Ah, ok, bon, là, c'est du charbon. On prend. J'aimerais quand même du minerai, parce qu'avec le charbon seul, je ne vais pas... Ouh, c'est un bon filon, ça. Voilà. On ramasse. Au passage, mon inventaire. Pour le moment, je n'ai qu'un casque qui me donne 2 de résistance. Alors, qu'avons-nous, là? Encore du charbon! Ah, il y a une petite cave à droite. Donc, c'est là-bas que l'on va trouver des ennemis, probablement. Je vais quand même ramasser tout ce qui brille parce que ça peut être... Ouais, ça va, c'est du charbon. Voilà, là j'ai... Bon, je vais pas avoir de problème pour faire fondre le minerai. C'est le principal. Ouh, ok, je tapais à côté. Voilà, alors. Ah, là, alors ça, je vais pas pouvoir le péter, je pense. Ouais, ça c'est... alors, il y a différents types de murs, on va dire, de matériaux. Donc là, je tape de la roche, mais je peux avoir également de la terre, dans quel cas je creuse rapidement. La seule chose que je trouve dommage, c'est que ce n'est pas... Le matériau qui va décider si on peut creuser ou pas, mais la ressource qu'il y a dedans. Donc je vais pouvoir taper, creuser super vite dans de la terre, un coup et ça a tombé, mais je ne vais pas pouvoir démonter le mur de terre ou creuser s'il y a ce matériau dedans. Okay. Alors là, alors j'ai juste cette arme, j'aurais dû faire mes armes et tout avant de venir. Ok, on te ramasse. Personne? Il n'y a absolument rien? Pas un ennemi? Ah, ok, chauve-souris. Allez, slime, parfait. Alors, il y a différents types de slime. Certaines... Ah, quoi si je tape par-dessus parfois? Voilà, ok, j'ai perdu un petit peu de points de vie, mais pas énormément. Ah d'accord, ça se fait une à une, je pensais pas que ça... D'accord, ils sont pas bêtes, et ils ont bien entendu commencé à remplir... Bah la première, parce que c'est celle que je choisis en premier, mais celle qu'il faut le plus de kills, ce qui est pas une garantie... Oh là, ok, voilà, si, une autre slime. Elle va se séparer en petites. J'aurais dû ramasser plus avec des slimes, mais bon, il n'y avait pas le choix. Ok, on a la première. Donc là, s'il le faut, je peux quitter cet endroit. C'est le principal. Je vais continuer de creuser. Ouh, tremblement de terre. Ok, j'ai coupé. C'est juste à ce moment-là que le tremblement de terre se lance. Ouh, ça va. Ok, j'ai pas été touché. Oh, regardez-moi ça, ouh, impressionnant. Qu'avons-nous là, du coup? Ah, encore ça, zut. Et du coup, petites cavernes se sont créées.
Donc ouais, il peut y avoir des éboulements à un certain moment, surtout quand on creuse pas mal. Faut faire gaffe à ça. Il faut partir tout de suite. Faut pas hésiter parce que là... Oh, ça c'est bon, ça c'est bon. Ça c'est de l'étain, je crois. Je vais vérifier, ça s'est mis où? Ouais, oh, j'en ai déjà 14. Ah, mais j'en ai peut-être ramassé dans le tuto. Ok. Donc l'étain, c'est pour le premier set d'outils et d'armure et d'armes. On peut très vite le remplacer par du cuivre si on a du bol et si on creuse pas mal. Là, il y en a quelque part du cuivre. Là. C'est juste une question de trouver. Là, il y a de l'eau, faut faire gaffe. Bon, faut faire gaffe, c'est pas un danger. Hein. Alors, je crois qu'il y a. Oui, alors, ok. Ah, mais dis donc. Eh, mais j'ai combien de. Je suis déjà. Je suis déjà à 64 de charbon. Et je n'ai que 23 d'état. Oh, c'est quoi ça? C'est du cuivre? Je me rappelle plus. Ah non, ça c'est les fossiles. Ah, oh, j'aurais dû prendre la quête des fossiles. Ah, oh, parce que c'est rare, c'est dur à trouver et ok. Je pensais pas qu'il y en aurait en fait. Il y a rien. Moi je continue hein. Et une autre caverne. Ah, du slime. Oh, non non. Parfois je tape par-dessus quoi. Peut-être que je suis trop proche. Alors ah mais je suis déjà bon mon slime, c'est vrai. Pas ça qu'il me faut. Ah, chauve-souris. Donc là, on est à 2 sur 7. Ça. Alors, je vais manger un petit peu. Champi, ça me donne quoi? Un demi-cœur, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, je n'ai pas de torche. J'aurais pu illuminer la zone avec. Ouh. Ça, c'est pas... Ah, ça, c'est de l'étain. Je vais pouvoir me faire un bon petit set, je pense, avec ça, ce que j'ai. 26. C'est honorable. Ah, plus là. On n'a pas plus profond, là, non. Ah, purée, ça, sacré pushback. J'ai pas... Ah, j'aurais pu faire également une arbalète pour éliminer ces gros de loin. Ah, et le gros, il a fait apparaître deux moyens, qui vont faire apparaître chacun trois petits. Ah, je crois qu'il était mort. Plus d'étain. Ouh, bon filon ça. Ouais, je vais pas me faire un set complet. Ouh, ok. Tiens. Ah. Non mais. Oh oh. Tu vas où? Oh oh. Alors, je vais déjà me soigner un petit peu. On va manger. Voilà. J'aime bien comment il y jette après le... Bah, l'os, quoi. Non, non. Je change d'arme, voilà. Ok, j'ai mangé un champi pour rien. Oula, ceux-là... Ouh, ils font mal. Ok, ceux-là, on va les ignorer. Je suis pas encore assez fort pour eux, il me faut une armure. Oh, oh. Oula. D'abord, c'est qui attaque à distance. Oh là. Voilà! Il va fuir maintenant jusqu'à l'autre bout du monde, j'ai pas d'arme à distance! Tiens! Ah! Voilà! Voilà! C'est pas ce quoi là! Et toi! Ouais. Ok, c'est bon! C'est bon! Ah non, toi, ok, toi je vais t'ignorer! Oh, ça c'est bon! Ça c'est bon! Oh purée, je suis repassé par là! Oh! Ok, allez, on va faire le tour et on va aller les éliminer. Parce que tout ça, c'est du bon loot. Ah oh, non, il y a le champi avec. Et alors, ça, ça en fait réapparaître en permanence. Mais je suis à quel endroit, là? Ah, oh, et lui, il est toujours en train de fuir. Et pas de chauve-souris? Pas de chauve-souris. J'aimerais au moins finir une de ces quêtes. Oula, oula, tu me fais mal, toi. Tiens! Il avait de la force hein, derrière son attaque. Ok, on est revenu là. Ouais, là, je vais me concentrer sur miner. Ah, là-bas. Ah, un peu d'étain. Ah, et là. On va creuser vite. Ah, c'est deux coups parce que là, j'ai la pioche basique et pas celle en cuivre que j'avais dans ma partie test.
Ouh, alors je sais pas ce qu'il y a devant sur la carte. Vous pouvez voir en bas à droite. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai déjà visité ou... Ah, il y avait quelque chose qui brillait là. J'ai pas fait... Je regardais la carte. Ah, c'est là. Ah, ok, je peux rien faire avec ça. Ouais, donc est-ce que c'est un endroit que j'ai déjà visité ou est-ce que... Ouais, je peux pas péter ça avec mon truc. À part là, peut-être. Non, je vais pas passer par là. Ça. Plein d'étain. Ah non, juste un peu d'étain. Ouh! Ok, ça va, il fait pas trop de dégâts. Tu me donnes quoi? Le petit cri triste. Oula, attention, quand même, ça fait un... pas énormément mal, mais ça fait un peu mal. Ok, on va manger le champi. De la bière. On est un nain, donc bien entendu, ça fait pas de mal. Ah, il y en a tellement là. Ok, on va partir de là. Oh! Ça... Ah, il y a des araignées maintenant. Ah, je te coince là. Ah, chauve-souris! Il y en a d'autres? Dites-moi pas qu'il y en a qu'une seule. Bon, vous savez quoi? On va rentrer. Je n'ai malheureusement pas de chance. Les choses, c'est quoi ça? Je tape sur un truc. Ouh. J'ai malheureusement pas de chance sur les chauves-souris. Et là, je suis dans l'antre d'araignée du coin. Ah, ok. Ça, c'est prendre des cadavres d'explorateurs. Ok. J'ai même pas l'arme. Où est-ce qu'il y a là-dedans un petit peu? Et on va partir. Ah, il va falloir se battre pour quitter la zone. Donc, faut pas que je traîne trop parce que je crois que sinon ça va être difficile. Alors. On appelle ça, c'est là-bas. Et maintenant, faut survivre ici. Alors. Oula, j'étais ralenti. J'ai la moitié de mes points de vie déjà. Voilà, je vais éliminer l'archer. J'ai pris cher. Oh oh. Oh oh. Ouh, ok. Ouh. Ok. J'ai 124 d'or. On a fait, on a gagné 24 grâce à ça. Maintenant, on... Ouais, c'est pas, on n'a pas fini la démo, on peut repartir. Donc là, on va maintenant au forgeron. Et je vais faire le max de cuivre. Apparemment, j'en ai trouvé. Ensuite, le max d'étain. Il me reste combien de charbon maintenant? J'en ai plus 14. Oh purée, c'est parti vite. Ah, du coup, alors, je veux ça, déjà. Parce que ça, c'est énorme. Ok, très bien. Non, non. Je reviens dans les poches. Voilà. Il me reste combien? Il me reste 12. On peut faire une épée. Ensuite. Le poing. Il me restait un lingot. Okay, tout ça, c'est bon. Toi, tu vas là. Toi, on va bien te changer, là. Voilà. Ça, ça allait ailleurs. Ensuite, je veux une arme à distance. On devrait avoir... on a assez. Voilà. On va la mettre là. Toi, tu vas là-bas. Je vais me faire... 4, 8, 12, 16, 20. Ok. Ouh, ça en a fait même plus que je pensais. Ah oui, parce que j'en avais déjà. On n'a pas de torse. Donc ça, ça a coûté 18, mais on va le faire. Le poing, on l'a déjà. Le casque, on n'en a pas. On n'a pas... Ah, on a besoin de torche, par contre. Ok, ça, ça va aller ici. Toi, tu vas là-bas. Ensuite, donc le casque. Pam. Ah, non, là-haut, pardon. Le torse, il me faut les épaules. Normalement, ah, les épaules sont là. Voilà, donc là, on a 12 d'armure, 124. Alors, on va passer à la banque, où on va poser ce qui ne sert à rien. C'est, ça me permet d'éviter d'avoir
Des pertes à la mort. Alors. Patate. C'est à manger, ça, ça. Je pense que je peux m'en débarrasser même de ça, mais bon. Ça, on en a pas besoin, pas besoin. Pas besoin. Ça, je devrais également... Oh, peut-être le... Je peux peut-être les vendre, ça, on va voir. Fossiles, on va garder. Ok. Alors. Je crois pas que j'ai ce qu'il me faut pour faire des potions, ici. J'ai rien pour les potions. Lui, nous donne rien. Lui, c'est un vendeur. C'est peut-être à lui jamais s'il lui vend des choses. Est-ce que je peux... Ouais mais Ah je marque, d'accord. Pour 0 d'or. Ah bah merci. Bon alors on a l'un, on a 100, on a 100. On a rien. Ok bah je peux... J'ai rien à prendre ici. Ah toi je m'en rappelle plus si tu t'es déjà visité toi. Ok, il y a toujours un petit dialogue avant de... Okay, c'est un mage, apparemment je peux rien faire avec lui pour le moment. Alors, on va accepter une nouvelle quête. Et là, on va y aller avec du meilleur matos. Alors... Ah, d'accord, donc oui. Alors. Ok, ça. Ça, c'est jouable. Et on va faire ça, ok. D'accord, donc les quêtes que l'on a choisies, si elles ne sont pas faites... ne sont pas préservés pour la mission suivante. Bon, alors. Là, on devrait creuser un endroit. Pouvoir creuser des endroits plus là. C'est bon. Plus profond. Plus difficile, plutôt. Là, c'est du fossile. Elle en one shot. Finalement, tout le charbon qu'on a obtenu n'était pas de trop. Parce que elle, on a vu, c'est... Ah, ok, ça c'est... Ah. Oh, je peux toujours pas? C'est pas de l'étain, ça? Ok. Toujours pas ça. Ça, ça me permet de bien me sauver. Ah, voilà. Ah, allez. Chauve-souris. Deux coups. Génial. Ah, ça, j'en ai besoin également. Le minerai bleu. C'est le corbomite. Il n'y en a pas beaucoup. Est-ce qu'il y en a plus loin, là? J'ai vu que ça brille. Ah, c'est du fossile. Et on a là... l'étain. Alors, ce qui est bien, c'est que j'ai pas besoin de retourner à l'entrée de la grotte. J'ai juste à... Qu'est-ce que je tape en dessus ? J'ai juste à... invoquer l'extraction. Ce qui est dommage, c'est que ça vise... Ça touche pas ce que ça vise. Il a tué son pote. Ah, je vois que c'est possible. Ouais, ça... Ah, hop, hop. Donc ça ne touche pas ce que ça vise. Ce que ça touche, pardon. Ouais, si, là, ça devrait taper devant, mais vu que c'est pas sélectionné directement, c'est un peu dommage, ça. Ah, là, on revient avec une raie plus dure. Je sais pas si c'est... Oh, je suis où? Oh, je sais pas où je suis. Ok, ouf. Ok, alors, on va commencer à manger les patates. Faire de la place dans l'inventaire. Ah, là, c'est tombé. Ouais, je sais pas si ça vaut le coup d'aller dans les zones, parce que c'est... Ça veut pas dire qu'on va avoir du minerai plus rare, hein, vu qu'on est dans le tap dans la roche, plutôt que dans la terre. C'est... Ok, alors, du coup, on pourrait tester... cela, maintenant. Là, ça c'est bon, ça, ça c'est bon. Là, il y en a un peu plus de bol sur les chauves-souris. Oh, beaucoup plus de bol. Oh! Ok, tu m'as quand même eu. Et le poison est un peu gênant. Alors, ça donne quoi, ce... Oh! Ça me fait briller? Ok. Bah, j'en veux un autre. Ah, bah, tiens, c'est vrai que je peux utiliser.
Voilà. Pourquoi m'embêter quand j'ai quelque chose pour attaquer à distance. D'ailleurs, au passage, oui, j'ai également mes torches que je peux poser, bien entendu, pour éclairer. Pas d'autres chauves-souris, on a eu un paquet là, donc j'ai de l'espoir. Est-ce qu'on les a... Il en reste une, il en manque une. Plutôt ça. J'aurais dû les tuer si j'avais utilisé. Ça, je pense pas pouvoir le ramasser. Si. Ah, c'est le cuivre. Pas ça. Les patates. Ah. Ça, un emplacement de plus et on est revenu quasiment à fond au point de vie. Ouh, et là j'ai du fer, je vais pouvoir faire quelque chose de mieux pour le passage suivant qui va me permettre de péter ces nouveaux. Hop. Filons. Alors d'ailleurs, au passage, quelque chose d'intéressant. Plus la pioche est de qualité en général, moins elle fait de dégâts aux ennemis. C'était genre 3 dégâts en creusant ce que j'avais avant et 2 de dégâts au monstre. Enfin, 3 en minant, 2 sur les monstres. Et là, ouais, c'est plus 5 en minant, mais il n'y a que 1 en combattant. Donc, c'est. Plus on progresse, moins les. Ah, tiens, le dernier. Moins les pioches sont utiles en combat. Ce qui est normal, mais voilà. Ok, hop. Enfin, c'est normal, je veux dire. C'est un bon équilibre, c'est intéressant. Du coup, c'est une raison de faire une vraie arme. Ouais, ça, je vais pouvoir le miner, je pense, avec la pioche en fer. Alors, j'aimerais trouver des slimes. J'ai l'impression que c'est soit les slimes, soit les chauves-souris, en fait. Là. Mais en partie de test, j'avais les deux. Donc là, on est à combien? On est à 11. 11 sur 16. Ah, parfait, en corbomite. Donc, on se rapproche. Ah, bah tiens, on va peut-être avoir le reste. Super. Voilà, donc là, 2 missions de fête. Donc maintenant, les slimes. C'est quoi qu'il y a là-haut, là? On va essayer d'y aller. Quelque chose d'autre qui brille, là. Ah, je peux pas... Ah, et j'ai pas tout ramassé, là. Ah. Non. On est bon? On est bon. Ouh, ça continue. Alors, c'est quoi, ça? Ok, bah tiens, il y a quelque chose là, on va aller ici, du coup c'est plus proche. Un peu de chance, on a nos slimes. Ah, il y en a une. Ouais, il y a nos slimes. On a 4 sur 7. Ah, oh, venez. Parfait. Bah, finalement, non, il y a les deux, c'est juste, faut juste avoir du bol et être au bon endroit. Bah, je vais même pas me soigner parce que je vais bientôt. Ah, quoique, il va falloir soigner pour le combat final. Et là, on a fait les 3 choses. Donc, pas vraiment de raison de continuer en dehors de ramasser un peu plus de ressources. Alors, j'aimerais peut-être un peu plus de charbon, si je peux en trouver. Parce que là, on est un petit peu juste. Et j'aimerais revenir dans la zone. Ah, bah, ça, c'est du cuivre, c'est pas mal. Ah, voilà, dans la zone en terre. Voilà. Regardez, c'est différent. C'est beaucoup plus rapide. Quelque chose d'autre qui brillait là-haut. C'est ça. Mais ça, j'en ai plus tellement besoin de l'étain. Ouh, gros filon de cuivre. Gros filon, ça va peut-être me permettre de faire. J'en suis à combien? 30, quoique c'est 15 le torse. Ça va pas être facile, non, ça va pas être suffisant. Ah, il y en a un peu plus là. Et mais il y a tellement de choses là, il se passe quoi? Il faut que je ramasse, faut pas que je laisse tomber quand même. Parce que je sais pas s'il y a peut-être quelque chose qui va me coûter bien cher. Je vais peut-être en avoir. Oh. Ah. Ok, je vais me soigner là.
Ça va être long. Ouh, et du coup, tout ça a été développé. Oh, regardez-moi cet endroit, mais c'est quoi cet endroit? Oh, allez, on ramasse, on ramasse. Ce qui était joli là. Il faut que je me nourrisse. Au combat final. Alors normalement là je suis mieux protégé, mais ouais. Alors j'espérais trouver plus de cuivre, mais en fait tout ce que j'ai trouvé c'est plus d'étain. Un petit peu de corbomite également, mais ouais. Y a pas de charbon? Non, pas de charbon, regardez. Y a de l'étain partout. Va falloir aller à un endroit plus... Bon bah ok. Alors, on appelle le pod. Ok, ça c'est bon. Technique de tourner autour, fonctionne top. Oh, ok. L'araignée, parce que l'araignée peut me ralentir. Non, les archers. Oh! 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 Ok, ça c'est... Ça je m'y attendais pas. Non mais stop! Oh. Ouh. Ok. Ouh, qu'est-ce qu'il m'a attaqué là? Ah, il en reste un. Ah, je voulais je vais le tuer, je suis rentré dedans. Bon, alors on rentre à la base. Pam, pam, pam! Alors, qu'avons-nous? De la dynamite, de l'étain et de l'argent. Ok. Du coup, on a 60 de charbon. On va faire le fer en premier. Ensuite, cuivre. C'est tout ce qu'il nous reste. Bon. Alors, le fer, le fer, le fer. Toi. Et l'épée. Ok. Tac. Je vérifie 6 2.5, 7 2.2. Donc c'est plus rapide et ça fait plus de dégâts. Tout on passe de 5 1 à 6 2. Oh, quoique le oh, ça remonte maintenant. D'avant de étain à cuivre, les dégâts aux ennemis ont descendu. C'était 3 2 1 et là on remonte. Ok, d'accord. J'ai jamais essayé de l'utiliser, donc on va voir ce que ça va donner. Ah, j'ai 2 potions de vie, ok. Super. Ah, les flèches, le glowweed. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? J'ai combien? J'ai 46. Alors, bah, je peux, je pense, l'utiliser pour mettre à jour mon armure. On est maintenant à 16, on va vendre ça. Regardez mon bonhomme. Du coup. Je peux vendre ça, oui. Ça et ça et ça. Ça se vend 70. Je fais pas de bêtises, hein, ouais. Ouais. Et t'as quoi d'autre pour moi? Rien de spécial. Alors, j'ai une herbe, du glowweed. Est-ce que je peux m'en servir pour une potion? Non, il me faut du blue cap ou du lava fern. Ici. Bon, on va poser ça. On va mettre toi. Ok, crotte de chauve-souris. Ah, on a un blue cap. Il me faut 100 pour débloquer. Bon, on va le faire. Allez, j'ai pas d'argent de toute façon. Ah, les F de... Voilà, ça, ça, ça. Voilà. Le reste, on va le garder. On va accepter une nouvelle mission. Alors. Ça, je me demande si ça se valide, si j'ai déjà la ressource. On y va. Et là, je vais tester la dynamite.
Ok, l'effet n'est pas négligeable. Et alors, hop, on va essayer de trouver la chose là-bas. Alors, on donne des coups de pioche un peu plus vite. Donc, même si je one shot, je vais théoriquement un tout petit peu plus vite. Mais ouais, c'est pas bluffant. Ça met mieux sur les choses plus. Ah, bah tiens, c'est maintenant que j'ai. Ok, donc là, ce que je veux, c'est trouver juste. Ah là, ça. Ah, je peux toujours pas l'avoir, lui. Est-ce que je vais plus. Ah, et là, regardez, là, je peux ramasser ça. Génial. Voilà. Bon, alors, on va s'arrêter là. On a découvert le jeu. C'est la démo. On est forcément limité en contenu. Donc, type de biome à explorer, ennemis, le type de ressources qu'on va trouver. Je sais pas si on peut aller plus profond. Non, mais je pense qu'on va pouvoir aller plus profond dans une version plus complète du jeu à vérifier. Hein, ça, c'est juste une supposition. Mais c'est un bon petit jeu sympa. Et moi, j'aime bien ce type de gameplay. Hein. Être mineur, c'est mon truc. Ouais. Donc voilà. Donc merci à vous d'avoir regardé et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Bye bye.